Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo d'Olivier sur les limaces. Je suis entièrement d'accord avec lui, hein, quand vous êtes vraiment trop envahi, c'est vraiment décourageant, etc. Mais il faut que je prenne le temps de vous monter une vidéo pour vous montrer. Vraiment, moi j'ai vraiment misé beaucoup sur les auxiliaires, sachant que j'ai quand même un sol sableux acide. Donc c'est quand même pas un sol où vous êtes envahi de limaces. Mais j'en avais suffisamment pour que... Avant, ma grand-mère utilise les granulés bleus, hein. Donc il y en avait quand même un petit peu. Mais là, je voulais vous montrer, puisque là, j'étais en train de ramasser la ciboule pour faire ma tarte aux poireaux. Et la chaîne, elle a aboyé, donc j'ai regardé. Et je vais vous montrer mon petit Ted au potager, puisque là, il est de sortie. Alors, je pense qu'il est devenu trop gros pour rentrer dans sa cabane, mais je lui ai mis du foin pour qu'il puisse se cacher et être à l'ombre la journée, bien qu'ici ce soit tout le temps à l'ombre, hein. Mais regardez ici qui est là, c'est notre petit hérisson. Bon, là il est en train de dormir, hein. C'est un animal qui est nocturne, donc, enfin je sais pas s'il dort ou s'il a peur de moi et qu'il est en boule, mais en tout cas s'il est en train de se rétracter là donc il a bien capté que j'étais là. On va pas trop le déranger, hein. je vais refermer. Mais en gros, voilà, il a son petit nid ici pour dormir tranquille. Donc là, on est dans le potager, hein, juste à côté de l'enclos d'écailles. Et il est abrité par les sapins qui sont juste au-dessus, qui empêchent un petit peu la pluie de tomber. Donc c'est un endroit qui reste relativement sec et qui est tout le temps à l'ombre, en fait. Et juste à côté, c'est là où je mets mes déchets. Parce que vous savez que je fais quand même pas mal de compostage de surface. Mais il y a des trucs que je mets pas parce qu'après sinon ça repousse les pommes de terre. Ça me fait des pommes de terre partout après. Donc là il y a des épluchures de pommes de terre et aussi des petits restes de patates douces, d'œufs, etc. De coquilles, d'œufs. Alors souvent je la redonne, mais des fois je balance là, ça dépend. C'est un petit tas qui est assez petit. Mais par contre les limaces, elles adorent les trucs en décomposition comme ça. Et c'est juste à côté de notre petit ami le hérisson. Donc lui en fait, dès qu'il va se réveiller la nuit, il est nocturne exactement comme les limaces. Donc il sort de son petit trou là-bas, quick, 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 il vient ici, il fait une razzia de limaces. Et donc du coup, ça va éviter que j'en ai sur toutes mes cultures juste à côté. Sachant que je vais pas tout vous raconter parce que sinon il y aura plus de suspense pour la vidéo. J'ai d'autres amis comme ça, je vous montrerai comment je me suis organisée. Mais ça marche plutôt bien puisque ça fait... un an et demi que je veux vous faire cette vidéo et je n'ai toujours pas pu filmer une limace pour vous montrer. C'est quand même grave. Mais je vous rassure, hein, j'en avais au départ, hein, je vous assure, c'est vrai. Regardez, ça c'était le prunier plus haut, Purple Candy de chez Delbar. Et vous avez vu, il est plein de fleurs alors qu'on l'a planté cette année. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir avoir des fruits. Toujours chez Georges Delbar. Là, on a un hachi et vous voyez qu'il y a des boutons floraux qui sont en train de se préparer là en bout de branche. Alors, ils ont les branches vachement arquées. Donc, je pense qu'ils ont dû les accrocher quand même pour les courber et hâter la fructification. Et je ne sais pas si ça va donner des fruits cette année. Déjà parce que bon, il n'y a pas énormément de fleurs, mais en plus parce que normalement il faut que ce soit pollinisé avec le Williams. Et mon Williams qui est juste à côté n'est pas aussi en avance. Là je vais faire une quiche aux poireaux, donc je suis en train de prendre quelques aromatiques. Je voulais vous montrer là la ciboule orientale. Vraiment ça tient bien, vous voyez là, elle est en train de monter en graines, elle n'a pas du tout gelé en fait. Normalement elle doit disparaître l'hiver. Mais on a eu du moins 6 et elles n'ont pas disparu. Là je prends les tiges les plus vieilles puisqu'en fait dans la tarte ça va être cuit. Là, je vais prendre un petit peu de persil qui est en train de sortir et plus vous le coupez plus ça va le vivifier et il va faire encore plus de feuilles. Donc là j'ai cueilli ces deux poireaux pour regarder s'ils étaient atteints par la mouche du poireau ou pas. Parce que celui-ci avait les feuilles enroulées sur lui-même. Et celui-là, c'est celui que je vous ai montré dans le dernier vlog. Vous voyez, il a des petits trous là. Donc je vais les défaire, les découper pour voir en fait s'ils sont atteints ou pas. Pour voir si c'est un signe qui annonce quelque chose ou pas. Donc du coup, ça, je le garde pour la soupe. Et en fait, je voulais vous montrer, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mouche du poireau dedans. Donc c'est pas significatif quand vous voyez que les feuilles se tordent ou... l'extérieur commence à être un petit peu rongé, c'est pas forcément que c'est infesté de mouches du poireau dedans.
Donc voilà. Par contre, moi, j'ai l'impression, j'ai remarqué sur, en tout cas les autres années, mes oignons qui montaient en graines, vous savez, ceux que je plantais à l'automne, ceux qui montaient en graines vraiment très très tôt au printemps, en général, eux, ils avaient la mouche, justement, enfin, la mouche de l'oignon, ça doit être la même mouche, hein, je pense, sur les aliacées. Donc voilà voilà, bah du coup on va les manger dans la tarte, hein, ils sont nickel. Et puis les fans, le bout des fans, des fois je trouve c'est un petit peu, comment dire, un peu fibreux, quoique ceux-là sont très jeunes, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Mais dans le doute, je les ai pas mis dans la tarte, je vais les mettre dans la soupe, comme ça ils seront vraiment mixés et on les sentira pas. Donc là en dessous de tarte, je vais faire une pâte brisée. Donc là j'utilise la farine de châtaigne, c'est celle que je vous ai montrée, que j'ai faite avec dans la vidéo stock châtaigne. Ensuite, dedans, je mets un petit peu de graines de pavot. C'est aussi pour les utiliser parce que vous voyez que j'en ai beaucoup. Pareil, vous avez une vidéo où je vous ai montré comment je les récolte. C'est aussi assez esthétique, je trouve, dans la pâte. Et je rajoute une petite pincée de pistil de safran pour donner un petit peu de goût. Et puis après, bien sûr, du sel et du beurre. Alors là, les poireaux, je les passe vite fait à la poêle quand même pour qu'ils commencent un petit peu à griller légèrement. Ça sera meilleur dans la tarte, ça aura plus de goût. Et là, je viens d'étaler la pâte. Alors moi, je fais une boule au milieu. Et après, je tasse avec ma main comme ça tout autour. Je ne le fais pas avec un rouleau, tout simplement parce que déjà, je ne suis pas très douée avec un rouleau. Plutôt une piètre cuisinière. Mais en plus, là, comme c'est de la farine de châtaigne, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de gluten, donc ça ne se tient pas bien. En tout cas, vous ne pourrez pas, tant que c'est pas cuit, le tenir comme ça, comme vous auriez fait, par exemple, avec une pâte brisée à base de blé. Alors, là, on va faire la pâte qui va avec. Donc là, j'utilise 5 œufs. Mes petits 5, ce que vous avez vu, c'est des œufs de naine, ils sont vraiment tout petits. Donc il y aura plus de jaune que si vous aviez utilisé 4 gros œufs de poule. Donc par-dessus là, j'ai rajouté la ciboule orientale, le persil que j'ai ciselé. Et j'ai rajouté, vous savez, ça c'est l'œuf salé en saumure que j'avais fait avec la méthode de Liziki, enfin entre guillemets, en tout cas celle du livre sur la fermentation. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein. Comme ça, ça va vous faire utiliser plein de trucs que j'ai déjà fait, c'est bien. Donc du coup ça, là je vais rajouter l'appareil. Donc pour l'appareil, j'ai tout simplement mis les 5 œufs avec un petit peu de lait et un petit peu de crème fraîche. Je vais rajouter ça et je vais rajouter les poireaux qui ont un petit peu grillé mais vite fait pas trop, hein, pour que ça reste quand même le moins cuit possible puisque ça va recuire après. Et par-dessus, je remettrai un petit peu d'œuf pour la déco. Regardez-moi comme c'est beau ces couleurs là, ça sent vraiment le printemps. Le vert qui revient et tout, c'est des couleurs bien vives avec le jaune d'œuf, c'est super joli. Donc là je rajoute la pâte, ça va être tout de suite moins joli, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer avant, et après je le mets au four. Et voilà, on n'a plus qu'à enfourner tranquillement ça pendant je ne sais combien de temps, ça dépend de vos fours. J'attends moi que ce soit pris, hein, que ce soit pas trop liquide quoi, tout simplement. Et voilà la tarte une fois cuite, je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse pour pouvoir la couper et vous montrer un petit peu une fois que l'intérieur a caillé. Pour vous montrer à quoi ça ressemble et surtout pour voir si la pâte se tient parce que ça devient très sablé hein, quand même avec cette pâte à la châtaigne, donc vous attendez peut-être pas à avoir un truc aussi parfait que quand vous utilisez du blé hein. Donc ça va, la pâte se tient, enfin, en tout cas vous pouvez vous servir une part et maintenant je vais goûter pour vous dire exactement le goût que ça a et à mon avis ça doit être très 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 bon. C'est vraiment délicieux parce qu'en plus là j'ai utilisé la farine de châtaigne un petit peu grossière, vous voyez là les petites, il y a des petits morceaux là, et du coup c'est hyper, comme, je sais pas comment vous dire, c'est pas vraiment croustillant mais un petit peu, c'est super bon, et en plus la farine de châtaigne vraiment, elle apporte un petit goût vraiment intéressant, très rond, c'est pas trop sucré du tout, hein, c'est pas sucré, et au contraire la farine de blé, elle a vraiment pas trop de goût, et là je trouve que c'est vraiment délicieux, je vous le conseille, essayez. Comme ça, encore une fois de plus, ça vous évite d'utiliser du blé et donc de la farine, parce que c'est assez compliqué à faire. La farine autonome la plus facile à faire, vraiment, quand vous pouvez le remplacer, c'est vraiment la châtaigne. Là, vous avez une pâte qui est délicieuse. Les quiches, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire ultra facilement. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans, c'est toujours bon. Donc vraiment, la farine de châtaigne pour les quiches, les gâteaux, c'est délicieux. Il y a peut-être certains trucs que vous ne pouvez pas faire avec, mais pour l'instant, la quiche, je valide et je vous le conseille. Alors là, vous voyez mes petits poivrons que j'ai repiqués suite à vos conseils sur Instagram. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut les repiquer. Ils sont assez mignons. Donc vous voyez que finalement, sans l'aide, on arrive quand même à avoir quelque chose. C'est un petit peu plus en retard par rapport aux autres. Mais ils ont quand même un certain nombre de feuilles.
et ils n'ont pas filé. Là, j'ai fait 80 tomates, enfin 80 mottes de tomates avec le presse-mottes. Et là-dedans, j'ai mis du curcuma pour voir si ça sort. Je l'avais déjà fait une année, ça avait très bien marché. Donc voilà, faut que je fasse aussi avec le gingembre, mais j'attendais qu'il ait au moins des petits germes. Là, j'ai vu que ça avait commencé, donc il faudra que je prenne le temps de le faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai semé en intérieur que tomates et poivrons. Et dès que j'aurai ma serre extérieure, ce que je ferai, c'est que je lancerai le reste, les courges, etc. Puisqu'on sera, à mon avis, fin mars. L'année dernière, j'avais commencé les courges très 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 tôt. J'avais planté au potager ma première courge, la Blue Hébarde, le 1er avril en mission test. Et en fait, ça n'avait pas gelé du tout. Donc j'avais eu bien mes courges correctement. Donc voilà, je vais peut-être refaire quelques semis précoces, on verra, je ne sais pas encore. En tout cas, là j'ai fait tomates piment et poivrons à l'intérieur, et en extérieur sous châssis j'ai fait épinards, choux et salade, et c'est tout sorti, même les petits choux. Et j'ai aussi fait carrément en extérieur radis, carottes, là j'ai vu que ça sortait aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les fèves, elles sont sorties, j'ai mis mon échalote et mes oignons, et il me reste ça à planter d'oignons, parce que j'ai trié en fait, j'avais pris un mix rouge, jaune et blanc. J'ai déjà planté les blancs parce que c'est ceux qui sont précoces, et les autres il faut que je les plante, mais je sais pas encore, j'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais les mettre. Voilà.